السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du mercredi, بإذن الله سبحانه وتعالى، mercredi 6 ربيع الأول 1435 de l'Hégire, correspondant au 8 janvier 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui c'est le 27e cours du livre qui s'appelle Aqidatu Tawhid wa bayan ma yudadduha ou yankusuha min shirk al-akbar wal-asghar wal-ta'atil wal-bida wa ghir dhalik. C'est-à-dire le dogme du monothéisme. En fait, quand ils ont dit ou yankusuha ici, il fallait dire. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est faire des offrandes, accomplir des vœux, offrir des cadeaux au sanctuaire et au tombeau et les vénérer. Donc, je dis, Inch'Allah Ta'ala, le titre d'aujourd'hui, des offrandes, accomplir des vœux, offrir des cadeaux au sanctuaire et au tombeau, et les vénérer. Cheikh Fawzan Hafidhahullah a dit, le prophète, alayhi salatu salam, a barré tout chemin menant à l'association à Allah Azza wa Jal, et a fermement averti les gens contre cela. Au sujet des tombeaux, il a établi les règles empêchant les gens de leur rendre un culte et d'exagérer vis-à-vis des personnages qui y demeurent. Parmi ces mesures de précaution, il y a, c'est-à-dire quatre mises en garde. Je répète, il a dit au sujet des tombeaux. Le prophète, alayhi salatu salam, a établi des règles empêchant les gens de leur rendre un culte et d'exagérer vis-à-vis des personnages qui y demeurent, c'est-à-dire les morts. Parmi ces mesures de précaution, il y en a quatre. Quatre mises en garde, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Donc maintenant la première. La première mise en garde, c'est la mise en garde contre l'exagération vis-à-vis des saints et des pieux. La mise en garde d'abord contre l'exagération vis-à-vis des saints et des pieux. Cheikh Fawzan Hafidhullah dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait mis en garde contre l'exagération vis-à-vis des saints et des pieux, car cela mène à les adorer. Naam. Pourquoi le prophète alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'exagération vis-à-vis des saints et des pieux? Car ça mène automatiquement à les adorer. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. C'est-à-dire, prenez garde, attention à l'exagération, bien sûr, dans le din, car ceux qui vous ont précédé ont péri à cause de l'exagération dans le din. Hadith authentique, voir Silsila Sahiha, 1283. Le prophète, alayhi salam, a dit attention à l'exagération dans le din, car ceux qui vous ont précédé ont péri justement à cause de cette exagération.
Non. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, La tutruni, kama sara ibn Maryam, fa innama na abdu, faqulu abdullahi wa rasuluh, faqulu innama na abd, faqulu abdullahi wa rasuluh. Non. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas dans mon éloge. Tiens avec le fils de Maryam, avec Jésus. Il l'appelle Jésus, on l'appelle Isa. Je ne suis plutôt qu'un serviteur. Dites donc que je suis serviteur d'Allah et son messager. Rapporté par Bukhari et Muslim. N'exagérez pas l'éloge. Comme ont fait les chrétiens avec le fils de Maryam, Jésus. Je ne suis plutôt qu'un serviteur. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la messe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve irréfutable. Naam. Car celui qui a été envoyé par Allah a peur, peur de son châtiment, a peur qu'il dise autre que ce que Allah Ta'ala lui a enjoint de dire. C'est pour ça qu'il dit, attention, je dis seulement, je suis le serviteur et son messager, c'est tout. Je ne suis pas plus que cela. Sinon, il aurait pu mentir. S'il n'était pas alayhi sallallahu alayhi wa sallam envoyé par Allah, si c'était quelqu'un, yani, comme les quelqu'un après lui, il peut dire, je suis le fils. Je suis le fils de Dieu. Je suis ceci, je suis cela. Non. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première mise en garde. La première mise en garde. N'exagérez pas, donc il a dit, dans mon éloge. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu exagères, quand tu éloges, tu as quoi? Tu as péché. Car tu crois que, tu dis, tellement je l'aime. Tellement je l'aime, yani, je veux le qualifier de telle et telle chose. Comme a dit quelqu'un, le Boussaïri, en parlant du passé, il a dit, tu es le seul, yani, quand j'ai des difficultés, vers lequel je reviens. Et tu es celui qui sait ce qu'il y a dans la tablette préservée. Allahu Akbar. Ce qui sait ce qu'il y a dans la tablette préservée. Ce qui va arriver demain. Allahu Akbar. Afwan, ilm al-qalam, ilm al-qalam, subhanallah al-azim. Pourquoi il a dit ça? Tellement zama zama par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons qu'est-ce qu'ils disent. Si vraiment tu l'aimais, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais arrêté là où il t'a dit de t'arrêter. Voilà la preuve que tu l'aimes. Ce n'est pas, yani, faire des choses de ta tête, exagérer dans les éloges, dire des choses qui ne sont pas conformes à la religion, ensuite dire l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas pu me retenir, j'ai dit ceci, cela. Naam, tout cela, c'est pas vrai. Si tu l'aimais vraiment, naam, tu lui aurais obéi. Si tu n'es pas transgressé ces hadiths, se dit aussi à qui? Se dit surtout à ceux qui aiment tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils font la fête de sa naissance, l'anniversaire de sa naissance, ce qu'on appelle le maulid nabawi. Quand tu fais toi le maulid nabawi, c'est tellement j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pas qu'il soit oublié. Donc ce jour là puisque tu l'aimes tellement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire sa sunna? Tu vas lire Sahih al-Bukhari? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des plats. Du couscous, du chita, de je ne sais pas quoi, la shorba. Et danser toute la nuit. Voilà l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous on dit, si vraiment tu aimais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais par exemple jeûné le jour où il est né. Par exemple le jeudi. Voilà, ou alors le lundi, comme il faisait lui, il jeûnait chaque lundi ou jeudi, et jeudi. Il a dit, c'est le lundi, en parlant du lundi, c'est le jour où je suis né, et j'aime jeûner ce jour-là. Ensuite, si vraiment, vraiment, tu aimais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors, tu ne te serais pas souvenu de lui un seul jour par an.
C'est ça l'amour du prophète aslam. Un seul jour par an, tu vas quoi? Tu vas faire une fête. C'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, autre chose. Termine par celle-là. Si vraiment tu aimais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu l'aimerais plus que les sahaba? Tu l'aimerais plus que les tabi'un? Plus que les tabi'u tabi'in? Plus que l'imam Malik? Plus que Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed? Rahimahullah jami'an. Plus que les grands sahaba, ceux-là n'ont pas dit que c'était yani, une sunna de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire le maulid al-Nabawi. Aurais-tu plus de science que tout cela réuni? Aurais-tu plus d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout cela? C'est une preuve, c'est un quoi? Mensonge sur mensonge, a'oudou billah. Donc ça c'est la première mise en garde, bi'idhnillahi ta'ala. On avait dit, il y en a quatre. La deuxième, bi'idhnillahi ta'ala, la deuxième mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Cheikh Fawzan Hafidullah a dit, la mise en garde contre la construction sur les tombeaux. La mise en garde contre la construction sur les tombeaux. Cheikh Fawzan Hafidullah a dit, il nous a également, c'est-à-dire le prophète alayhi sallam, mise en garde contre le fait de construire sur les tombeaux. Car d'après Abu al-Hayyaj al-Asadi, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit à Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib lui a dit, je cite d'abord ça en arabe, non. كما روى أبو الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى ألا أبعثك على مبني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا رمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته إلا سويته c'est-à-dire est-ce que tu ne veux pas que je t'envoie comme m'a envoyé le prophète صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire de ne laisser aucune statue sans la détruire, ni aucun temple sans niveler à hauteur du sol. Tu voudrais que je t'envoie comme m'a envoyé le prophète Aslam? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé faire? Il m'a dit, va, si tu trouves une statue, il faut pas, yani, il faut pas revenir sans la détruire, ni un tombeau élevé sans que tu ne le nivelles à hauteur du sol. Naam. Tout cela, bien sûr, pourquoi? Car comme vous savez, la statue, ça va pousser quoi? Ça va pousser tôt ou tard à l'adorer, comme il s'est passé dans le de Nour, comme vous connaissez tous l'histoire, dans Sahih al-Bukhari. Et le tombeau, quand il est élevé, il devient sujet à quoi? À être aussi adoré. Il y en a, on va voir un peu, dans quelques minutes, ceux qui construisent presque comme pour le tombeau. Donc les gens vont dire, celui-là, c'est sûrement une personne, masha'Allah, pour qu'on ait construit tout ça sur elle. Naam. Et ils vont commencer à aller là-bas et faire des doigts, et comme ça. Donc il a dit, voilà, ça c'est le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Je voulais dire quelque chose ici, si je n'oublie pas, c'est quoi? Ça te chauffe, t'enverrai, je pense, hein, de ne laisser aucune statue. Naam, de laisser. Si quelqu'un va dire, donc je vais faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enjoint à Ali de faire. À chaque fois maintenant que je trouve une statue, je la détruis. Ou alors un tombeau, je le mets au sol. Et si je suis aux États-Unis, je commence par la statue de la liberté. Si je vais lui préparer une bombe, non, comme ça, je la détruis, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque tombeau, je vais le casser, le niveler à hauteur du sol. Qu'est-ce qu'on va répondre? On va dire, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Ali comme ça, il l'a envoyé comme, il lui a parlé en étant quoi? Comme gouverneur, comme disent les savants. Naam, si le gouverneur musulman t'envoie et te met dans tel cimetière et nivelle les tombeaux, si tu ne le fais pas, tu as des péchés. Pourquoi? Car il t'a enjoint quelque chose, qu'a enjoint le prophète Aslam, et tu l'as quoi? Et tu ne lui as pas obéi, bi'idhnillahi ta'ala. La même chose s'il te dit pour les statues. Mais que tu ailles maintenant, toi, de ta tête, naam, tout seul, naam, et que tu ailles appliquer ces choses comme tu as le droit, sans revenir aux savants,
Et comment qu'ils ont expliqué ce hadith, alors tu auras bi'idhnillahi ta'ala des péchés. Naam. Car Allah ta'ala dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ça c'est. Ensuite, Cheikh Oussidi, Cheikh Fouzan hafidhahullah dit. Bon, ce hadith, j'avais oublié de dire qu'il est rapporté par yani, Bukhari Muslim. Cheikh Fouzan dit hafidhahullah, il a aussi interdit de prendre les tombes et de construire au-dessus d'elles. Comme a dit Jabir radiallahu ta'ala anhu, il a dit, le prophète a interdit de plâtrer les tombeaux, de s'asseoir dessus et construire quoi que ce soit au-dessus. Naam. C'est la mise en garde. C'est la troisième mise en garde. Donc c'est le fait de plâtrer les tombes et de construire au-dessus d'elles. Le hadith. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تدسيس القبر وأن يقعد عليه وأن بناء نعم ده حديث اوثنتيك كم on va voir ان شاء الله تعالى d'après جابر رضي الله تعالى عنه le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de plâtrer les tombeaux de s'asseoir dessus et de construire quoi que ce soit au-dessus rapporté par Muslim. Ça, c'est la troisième mise en garde, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, c'est interdit quoi? Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? C'est interdit de plâtrer les tombeaux, de s'asseoir dessus et de construire quoi que ce soit dessus. Trois interdits dans le hadith. Il a interdit de plâtrer les tombeaux. Qu'en est-il? Ceux qui vont y aller les construire en marbre. Qu'en est-il? Ceux qui vont les construire en faïence. Naam. C'est interdit. Qu'en est-il? Plus que le plâtre. Plus cher et plus beau et plus. Je ne sais pas quoi. Naam. C'est pour ça la sunna, c'est de le laisser en terre. Cheikh Al-Albani dans Hakam Janaiz, rahimahullah, dit à la rigueur argile. L'argile avec de l'eau. Naam. Juste yani, au niveau de la terre. Car l'argile, ça tient un peu. Ça reste comme ça un peu quelque temps. Naam. C'est interdit aussi quoi? De s'asseoir dessus. J'ai oublié de vous chercher un hadith en ce sens, mais il y a un hadith authentique qui se trouve d'ailleurs dans Sahih al-Jami' que j'ai lu plusieurs fois, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit qu'une braise yani, brûle mon vêtement ou la brûle le vêtement de l'un de vous jusqu'à brûler sa cuisse faridé. Il a dit c'est mieux pour quelqu'un que une tombe. Non. Il a dit qu'une braise, tu t'assois sur une braise, et elle va brûler ton vêtement d'abord, ensuite brûler ta peau, c'est mieux que de t'asseoir sur une tombe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si on te demandait de choisir, alors qu'est-ce que tu vas choisir? On va te dire tu choisis, ou bien tu t'assois sur la tombe, ou bien tu t'assois sur la braise. Qu'est-ce que tu dis? Dit, la braise, je m'assois dessus. Pourquoi? S'asseoir sur une braise, c'est moins grave, timon, et comme torture. Il y en est comparé à ce qui t'attend si jamais tu t'assois sur une tombe. Mal SF, beaucoup de gens s'assoient sur des tombes. Beaucoup de gens. Non. Surtout les femmes. Beaucoup de femmes. Et non seulement s'assoient, mais discutent. Discutent de choses qui n'ont rien à voir avec la religion, même je dirais qu'ils sont contraires à la religion. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? J'ai pas terminé. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith aussi? La troisième chose, manque une chose. Et de construire quoi que ce soit au-dessus. C'est interdit aussi de construire sur la tombe. Et ça va venir bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, vous ne m'entendiez pas. La quatrième mise en garde, la mise en garde contre le fait de prier à tombeau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La'an Allah, ou la'anatullahi, ala al-Yahudi wa al-Nasara, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. » Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de prière. Les juifs et les chrétiens sont maudits. Ainsi, Cheikh Fawzan dit, il a dit ainsi. Ainsi, le prophète, alayhi salam, avertit
de ne pas faire comme eux. Sinon, il aurait fait en sorte que son tombeau soit mis en évidence. Mais il craignait que sa tombe ne devienne un lieu de prière. Vous avez compris? Si le prophète Hassan avait voulu, il aurait fait en fait que son tombeau soit mis en évidence. Mais il a craint que sa tombe ne devienne un lieu de prière. Il a dit, alayhi sallam, dans un autre hadith, sallallahu alayhi sallam, il a dit Allah, فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Ceux qui vous ont précédé ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de prière. Donc, ne faites pas des tombes des mosquées. Car je vous l'interdis. Ne faites pas des tombes des tombes. Des tombes, vous allez faire des... Ne faites pas des tombes des mosquées, des lieux où vous allez prier. Car je vous l'interdis, rapporté par Muslim. Cheikh Fawzi a dit, en effet, faire des tombes des mosquées veut dire prier auprès des tombeaux, même sans y construire de mosquée. Je répète, faire des tombes des mosquées, rendre une tombe, la rendre une tombe, c'est auprès d'elle, auprès de la tombe, même sans y construire de mosquée. Car tout endroit destiné à la prière est érigé en mosquée. Cela, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, Ju'ilat lil ardu masjidan wa ta'am. Naam. La terre m'a été donnée comme mosquée et purification. La terre m'a été donnée comme mosquée et source de purification. Nous, alhamdoulillah, comparé à ceux qui nous ont précédés, dans chaque endroit, sauf endroit interdit par la religion, on peut prier. Dans chaque endroit, tu es en voiture, tu t'arrêtes, tu prends ton tapis, tu le mets par terre, tu cherches la qibla, tu fais l'adhan, tu fais la prière. Alhamdoulilah, dans chaque endroit. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. J'ai pas d'eau avec moi, il n'y a pas d'eau à acheter. Taïmoum, pourquoi? Allah Ta'ala m'a donné la terre comme source de purification. Alhamdoulilah. Il m'a donné la terre comme mosquée, pas comme autrefois chez les autres. Il devait quoi? Il devait aller prier à Foun dans les endroits sacrés, dans les églises, synagogues et comme ça. Sinon, la prière n'est pas acceptée. Mais pour nous, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert yani, de ses portes et de ses ni'am. Personne avant nous. Na'am. Donc nous, alhamdoulillah, on peut prier dans n'importe quel endroit, sauf endroit interdit. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, illa al-maqbara ou al-hammam. Il a dit, sauf cimetière et al-hammam. Al-hammam, ce qu'on appelle nous, le bain mort. Vous, s'il y a ça, même on ne peut pas prier. Et la même chose dans le cimetière, on peut pas prier. On peut pas prier la salat obligatoire unanime. On est unanime à dire cela. Reste la divergence sur quoi? Sur la prière, c'est-à-dire la prière du mort, salat al-janaza. Cheikh Al-Albani, dans son livre Hakam Janaiz, a ramené tous les hadiths là qu'on ne peut pas prier à l'intérieur. Il a même authentifié un hadith où le prophète a dit ne prie pas parmi les tombeaux. Non. Pourquoi? Car certains savants ont permis si c'est yani salat al-janaza. Al-Muhim. Par conséquent, construire une mosquée sur les tombeaux est encore pire. Construire une mosquée sur les tombeaux est encore pire. Ceci dit, la plupart des gens n'ont pas observé ces commandements. Oui, ceux dont le prophète alayhi sallam nous a mis en garde. Ainsi, ils sont tombés dans l'association majeure, Shirk al-Akbar, en construisant des mosquées, des mausolées
et des stations sur les tombeaux pour en faire des sanctuaires, pratique tous les cultes de l'association majeure, tels que le sacrifice destiné à ces lieux, l'invocation et l'imploration du secours des morts, les vœux et autres. Le grand savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: celui qui croit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam relative aux tombes, ses ordres et ses interdictions, ainsi que la voix des compagnons, avec ce que la des gens font aujourd'hui, c'est-à-dire ils comparent, yani la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle des la voix des compagnons, ils la comparent avec ce que font la plupart des gens aujourd'hui, il constatera alors l'énorme contradiction entre les deux voies, l'énorme contradiction entre les deux chemins, qu'elles ne se rencontrent aucunement. En effet, le prophète alayhi a interdit de prier, a interdit de prier auprès des tombes, tandis que ceux-ci le font. Il a interdit d'en faire des mosquées et construisent au-dessus des mosquées, et appellent cela des sites sacrés, en les comparant aux maisons d'Allah Azzawajal, les mosquées. Comme font surtout qui? A'oudou billah, les rawafid. Les rawafid, les soufis. Les rawafid, les soufis. A'oudou billah, a'oudou billah. Comme a dit le Cheikh l'Islam, rahimahullah. Ils ont quoi? Parce que nous, on a le mes, alhamdoulilah. Eux, ils ont le meshahid. Nous, on a le mesajid, les mosquées. Allah, c'est dans le Coran. Eux, ils ont quoi? Le meshahid. Eux, c'est pas important pour eux, la mosquée. Naam. L'important, c'est quoi? C'est de construire quelque chose. Et d'aller là-bas, quoi? D'aller se prosterner et de demander aux morts, naam, de lui faire des vœux comme ça. A'oudou billah, shirk al-akbar. A'oudou billah. Naam. Tayyib, il a dit ici, Cheikh Fawzan Hafidullah dit, il a également, le prophète, il a également interdit d'y allumer des lampes à huile. Et ceux-ci ont bloqué des fonds consacrés à allumer ces bougies. Aussi à l'essence interdit de faire des tombes des lieux de commémoration alors qu'ils en ont fait des lieux de commémoration et de rites. Ils s'y rassemblent autant que les musulmans, voire plus. Naam. Regardez par exemple Yom Ashura par rapport au Rawafis. C'est plus important que Yom Arafa. Naam. Un Rafidi, tu lui dis mais c'est Arafa et tu lui dis après. C'est quoi Arafat? Mais dis-lui de louper, d'aller à Yom Ashura, à comment ça s'appelle, avec la ville, avec j'ai oublié, à Karbala par exemple. Naam, a'oudou billah. Le fait, alayhi sallam, a ordonné de niveler les tombes selon le hadith rapporté par Muslim qu'on a cité tout à l'heure. Hadith de Ali, il a dit, point, comment on voit le prophète alayhi sallam ne laisser aucune statue sans la détruire, ni aucun tombeau sans le niveler à hauteur du sol. Il a également rapporté que Thumama ibn Shufay a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Thumama ibn Shufay radiallahu ta'ala قال كنا مع فضال بن عبيد بأرض الروم بالدوس برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. نعم. C'est-à-dire, nous étions avec Fudala ibn Ubaid en territoire romain lorsque l'un de nous décéda. Fudala décida alors de niveler sa tombe. Puis il dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم donner l'ordre d'appeler, c'est-à-dire les tombes, naam. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépasser le niveau du sol. Quant aux autres, dit Cheikh Fawzan, ils contredisent, ils les élèvent, c'est-à-dire les tombes, aussi haut qu'une maison, et construisent sur eux des dômes. Regarde cette afoun, c'est Cheikh Ibn al-Qayyim qui dit, rahimullah. Regarde cette gigantesque contradiction
entre d'une part ce que le prophète alayhi a décrété et interdit au sujet des tombeaux, et d'autre part ce que ceux-là ont instauré et à quoi ils ont aspiré. Ceci entraîne certainement d'innombrables dégâts. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah cita ces dégâts, puis il dit: ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi lors des visites des tombes n'a pour but que de se rendre l'au-delà et d'être bienfaisant envers les gens visités en invoquant Allah Azzawajal pour qu'il lui accorde sa miséricorde, son don et son salut. Ainsi, le visiteur, c'est-à-dire celui qui va visiter la tombe, sera bienfaisant vis-à-vis de lui-même quand le défunt. Quant aux associateurs, ils ont inversé la règle. Ils ont inversé la règle de la religion en objectif de la visite. De l'objet de la visite, l'association à Allah Azzawajal, son invasion et sa médiation, en lui demandant et de leur accorder sa bénédiction et son soutien contre les ennemis, etc. Ainsi, sont devenus injustes. Vous ne voyez pas? Ainsi, ils sont devenus envers eux-mêmes et envers le défunt, ne fût-ce qu'en le plus bien qu'Allah Azzawajal a institué, tel que l'invocation et la demande de miséricorde et de pardon pour lui. Est-ce que ça coupe un peu? Est-ce que ça coupe un peu? Est-ce que je dois sortir? Alhamdoulilah. Donc vous avez bien entendu ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Le sunni, celui qui suit la religion, naam, comme elle nous a été révélée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, le sunni, quand il va à la tombe, il a deux bienfaits. Le premier bienfait, c'est pour lui, le deuxième fait. Le premier bienfait pour nous, c'est quoi? C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Il a dit que, en montrant la hikma de la visite de la tombe, il a dit: Tudmi'ul ayn. La visite fait l'œil. Tu as des larmes aux yeux quand tu vas là-bas. Dans un autre hadith authentique, il a dit: Sturiqu. Tu vas, yani, bon, vous m'entendez pas, on dit 1, 2, 1, je sors et je reviens. J'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait montré la sagesse que quand on va visiter la tombe, il a dit dans trois hadiths authentiques. Dans le premier, il a montré que la sagesse c'était quoi? Il a dit que tudmi'ul ayn, le fait d'aller visiter la tombe, ça te donne des larmes aux yeux. C'est une ni'ma, alhamdoulilah. La deuxième, il a dit turiqul qalb, ça te donne, yani, ton cœur va devenir, inshallah ta'ala, s'il était dur, il va devenir tendre. Ça va te donner une sorte de tendresse dans ton cœur. L'âme. Et la troisième, il a dit, tudhakkiru l'akhirah. L'âme. Donc, ça va te faire te rappeler quoi? L'au-delà. Et la mort et l'au-delà. La mort et l'au-delà. Les trois hadiths sont dans. Il se trouve aussi dans Sahih, dans Hakam al-Janaiz. Donc, le sunni, quand il va à la tombe, d'abord c'est pour son intérêt. Je vais là-bas pour enlever la dureté du cœur que j'ai, pour penser à la mort et l'au-delà, et pour avoir des larmes dans les yeux. Dans les yeux, masha'Allah, cette ni'ma, masha'Allah. Ensuite, c'est un grand bienfait pour qui? Pour le défunt. Quand je vais là-bas, si je lui fais des doigts, c'est permis. Si je lui fais des doigts et que je dis Allahumma ighfirlahu warhamhu, ou bien avant de rentrer, quand j'arrive au cimetière, je dis la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salam ala al-mu'minin. Salam ala. Attendez. Comment ça commence la doua avec salam ou ala al-diyar, min al-mu'minin ou al-muslimin? Ça commence par al-mu'minin ou al-muslimin. Ensuite, il a dit: As'al Allah lana wa lakum al-afiyah.
Donc, regardez comment il fait des doigts à qui? Au défunt. Ça, c'est le sunni. Par contre, je dis en parenthèse, par contre, c'est pas sunna d'aller lire là-bas le Coran, de se lever debout devant une tombe et de commencer à lire le Coran. Ça rentre pas dans la sunna. Aucun des savants n'a dit que cette chose est une chose conseillée. Non, cette chose. Et si quelqu'un a dit ça, il n'a pas de délil bi'idhnillahi ta'ala. Il n'y a aucun délil, comme dit Cheikh Islam dans Majmou' al-Fatawa. Non. Il a dit, s'il n'y a pas ça dans la sunna du prophète, d'aller lire le Coran dans quoi? Dans le cimetière. Al-Muhim, quant au bid'i, le soufi, le rafidi et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, naam, et ils ratent ces deux grands bienfaits. Pourquoi? D'abord, il va là-bas faire de l'association. Alors que le sunni va là-bas pour le bienfait de son cœur, de ses yeux, de. Non, celui-là, il va faire là-bas de l'association à Oudoubillah. Subhanallah. Au lieu d'avoir des ajr et des récompenses pour avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il va quoi? Le contredire. Et faire, yani, s'attirer des grands péchés, oulayadoubillah, en yani, des vœux demandant, yani, de refouler des malheurs. Qui lui demande des enfants, ou bien de faire tomber la pluie, ou bien. Et le deuxième malfait qu'il fait, c'est quoi? C'est de faire du tort à qui? Au défunt. Faire le tort, le défunt. S'il pouvait entendre le mort, afin, s'il pouvait entendre celui qui est en train de faire des doigts en lui demandant des choses, etc., il se serait sûrement détourné de lui. Ça, dans le cas où il l'entend. Mais maintenant, s'il ne l'entend pas, Yom al-Qiyamah, il va se désavouer de lui. Ya Allah, c'est pas moi qui lui ai dit de venir yani, me demander des choses quand j'étais mort. Car ce qu'il m'a demandé vivant, je ne peux pas les lui donner. Comment vais-je lui donner alors que je suis mort maintenant? Non, c'est comme ça. Le bid'i, toujours, yani, ce qu'il fait, ça se renverse contre lui. A'oudoubillah. Cheikh, c'est qui ici? On est toujours à. Bon, ça, ce qu'a cité Ibn al-Qayyim, c'est dans Iratat al-Lahafan, tome 1, page 214, 215 et 217. Cheikh Fawzan Hafidhallah dit: ainsi, la présentation des vœux et d'offrandes au tombeau s'avère être une association majeure à Allah Azza wa Jalla. La cause en est quoi? La désobéissance au commandement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit. La désobéissance au commandement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La situation dans laquelle doivent être les tombes, telles que l'interdiction de construire au-dessus d'elles, que ce soit des mosquées ou autres, que ce soit des mosquées ou autres. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit dans ses livres, et surtout dans, comment ça s'appelle ce livre, quand il explique, comment il s'appelle, Bulugh al-Maram, dans 5 ou 6 tomes, quand il arrive. Et dans d'autres livres aussi, il a cité cela. Que si jamais, il a cité ça aussi dans Kitab Tawhid, je me rappelle maintenant. Cette chose se trouve aussi dans Kitab Tawhid. Il a dit, si maintenant il y a un tombeau dans une mosquée, comment qu'on fait? Il a dit, on regarde qui des deux a été construit le dernier. S'il y avait déjà, il y avait un tombeau, ensuite, on est venu construire une mosquée. Il a dit, on détruit toujours le deuxième. C'est qui le premier qui a été construit ici? Le tombeau. C'est un cimetière. Ensuite, on est venu quoi? Construire une mosquée au-dessus. Il a dit, on détruit la mosquée. Si maintenant c'était la mosquée qui était construite, il n'y avait aucun tombeau. Sont venus des gens, on construit, ou là, on fait un tombeau à l'intérieur de la mosquée. Qu'est-ce qu'on détruit? On détruit la mosquée. Le tombeau. Donc la règle c'est quoi? Entre le tombeau et la mosquée, le tombeau et la mosquée ne doivent jamais se grouper. Ils ne se rencontrent jamais. Si jamais ils se rencontrent, on détruit le dernier d'eux. Le deuxième, celui qui a été construit, le deuxième. C'est lui qu'on doit détruire. Que ce soit la mosquée, que ce soit le tombeau. Enfin, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, si maintenant, Naam, si maintenant, c'est le tombeau qui a été construit, après la mosquée. Ah. Et maintenant qu'on ne peut pas détruire le tombeau, ça arrive. Ah, tu es dans un pays où c'est pas toi qui commandes.
C'est un pays, par exemple, je sais pas, de Koufar, ou que le gouverneur musulman ne s'intéresse pas beaucoup à ces choses. S'il n'a pas de science, il n'a pas de yani, salaf, s'il n'est pas salafiste. Donc, ils sont peut-être même que il y en a certains qui aiment même cette chose. Dans ce cas, il a dit, le tombeau se trouve dans la mosquée. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pas du tout. Il a dit, si le tombeau n'est pas du côté de la Qibla, tu peux prier. Ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, hafidhahullah, rahimahullah. Donc, Kitab Touhid. Naam. Il a dit, si le tombeau, naam, maintenant on ne peut pas le détruire, et qu'il n'y a que cette mosquée où on doit prier, on voit, s'il n'est pas du côté de la Qibla, il est à ta gauche, à ta droite, ou derrière toi, naam, il a dit, yani, on peut prier dans cette mosquée, bi-idhnillahi ta'ala. Que dit ici le cheikh? Cheikh Fawzan dit Hafidhullah. En effet, si l'on construit des dômes sur les tombes et des mosquées et sites autour, les ignorants ont cru que ceux qui y sont enterrés ont le pouvoir d'apporter du bien ou du mal, le pouvoir de venir au secours de celui qui les implore et de satisfaire aux besoins de celui qui cherche refuge auprès d'eux. Par conséquent, il leur dévoue des vœux d'adoration et leur présentent des offrandes à tel point que leurs tombes sont devenues des idoles adorées en dehors d'Allah Azzawajal, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attendez, on va voir si ça s'affiche. D'ailleurs, je ne suis pas connecté, une seconde. Aïwa. Il a dit, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh mon Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Voir Ayat al-Maram du Sheikh al-Albani, page 126. Hadith 126. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Que l'on adore. Le prophète alayhi salam faisait cette invocation parce qu'il savait que ce genre de choses allait arriver auprès d'autres tombes que la sienne. De telles pratiques ont effectivement eu lieu dans beaucoup de pays musulmans, dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Quant à sa tombe, elle est préservée par Allah Azzawajal grâce à la bénédiction, le baraka, de son invocation, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, Ya Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Alhamdulillah. Hein, il a dit, quoi qu'il puisse se passer dans sa mosquée, des infractions à la loi divine de la part de certains ignorants et superstitieux. Ils ne peuvent néanmoins venir à sa tombe, car elle se trouve dans sa maison entourée de murs et non pas dans la mosquée. Naam, la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Cheikh Fawzan, ne se trouve pas dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans sa maison, alayhi salam, entouré de murs. À ce propos, l'éminent érudit Ibn al-Qayyim, qu'Allah Ta'ala lui donne sa miséricorde, rahimahullah, a dit dans son poème Nouniya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ. Non, il a dit, le Seigneur de l'univers a exaucé son invocation, alayhi salam, et l'a entouré de trois murs. Et a entouré sa tombe de trois murs. C'est pas seulement d'un seul mur. Trois murs. De façon à ce que personne ne peut prendre sa tombe comme idole pour l'adorer, alayhi salam. Naam. Allah Ta'ala l'a préservé. Alhamdulillah. Ni'ma. Sinon, les soufis, ils auraient fait tout leur possible pour aller yani, adorer la tombe du prophète. Alhamdulillah. Allah Ta'ala là, yani, lui a exaucé son doigt et l'a entouré de trois murs. Bi-idhnillahi ta'ala. Na'am. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Attendez, s'il y a quelque chose à ajouter ici, une seconde. Dis-vous. Fais pas. Hein.
musulmans, on a dit de telles pratiques ont effectivement eu lieu dans beaucoup de pays musulmans. Beaucoup de pays musulmans. Le prophète sallam faisait cette invocation parce qu'il savait que ce genre de choses allait arriver auprès d'autres tombes que la sienne. Auprès d'autres tombes que la sienne, n'âme. Les adorateurs de tombeaux, il y en a des milliers. Même sans exagérer, on va dire il y en a des millions. D'adorateurs de tombeaux. Pour la personne qui prie pendant 50-60 ans. Mais qui, pour elle, yani, le tombeau est un lieu pour, yani, beaucoup plus propice pour la doua que la mosquée. Je te dis, si tu vas devant tel tombeau, tu fais des doigts, c'est mieux que d'aller faire des doigts dans la mosquée. Car celui-là, c'est un élu d'Allah Azzawajal, c'est un wali. C'est un awliya Allah. Quand tu fais la doua devant son tombeau, Allah Ta'ala va t'exaucer. Comme ça, il croit. Le shirk al-akbar. A'oudou billah. Voilà, inshallah Ta'ala, pour le وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donc la première question est la question d'une sœur chère qui vous dit: j'aimerais savoir, barakallahu fikum, une personne qui a l'habitude de visiter les tombes en faisant des bid'a, comment doit-on nous comporter avec elle? Jazakumullahu khair, chère. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ابن القيم اسك تويلا ابن القيم اسك تويلا اسك ابن القيم يطا فيك نو Je ne sais pas si vous m'entendez. Il a été déconnecté. Qui va prendre la relève pour noter les questions qui sont difficiles? Qui va prendre la relève? D'accord. Donc je dis, quand une personne fait des bid'a dans le cimetière ou ailleurs, on fait comme faisait le Prophète et comme nous a appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'a authentifié Allah. Il a dit: Inna ursiltu ou bien bu'istu. Le doute vient de moi. Il a dit: Mu'alliman. C'est-à-dire, j'ai été envoyé comme enseignant. Cheikh Al-Albani a dit sahih. Nous, ta'ala, on fait la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On enseigne aux gens. Ce n'est pas, yani, on est violent avec eux. Il faut pas accepter la bida. Il faut la refouler. Yani, montrer que c'est quelque chose de grave. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, Oud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit dans son livre, Sharh Bulugh al Maram, si vous voulez, le temps et la page, c'est tout noté ici devant moi. Quelques secondes, je vous le donne pour celui qui demande le temps et la page. Je disais, il a dit, même quand quelqu'un fait du shirk, si tu vois quelqu'un tourner autour de la tombe, il faut aller doucement. Et ne pas lui dire au moment où il tourne, c'est du shirk et taqillah et ceci, cela. Il a dit, va pas t'entendre. Il a dit, attends qu'il termine. Ensuite, explique-lui avec moi. Si quelqu'un va dire, quelle est la preuve? Comment il fait le shirk et j'attends qu'il termine? D'où vous ramenez ça? On lui dit, on ramène ça. D'ailleurs, même Cheikh Ibn Uthaymin a cité ça à la fin de sa fatwa. On ramène ça du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu quelqu'un uriner dans la mosquée et que les sahaba se sont levés pour yani, le réfuter et le blâmer. Mais il a dit, alayhi salam, da'ou, la tuzli, da'ou, yutim baoula, laissez-le continuer son urine, laissez-le, ne le coupez pas. Quand il arrête, on va voir. Quand il a arrêté, le prophète, alayhi salam, lui a montré, il lui a dit, les mosquées n'ont pas été pour cela.
Mais pour le Coran, il décrit salat. Et il a demandé qu'on verse un bidon d'eau, un seau d'eau, un seau d'eau sur son urine. Donc je reviens jeudi, quelqu'un qui fait des bid'a ou n'importe quoi, on lui apprend avec hikma que ce qu'il fait est vraiment grave et que ça encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous on ne te veut que du bien et que il ne faut plus faire cela. Et que ça, si jamais la personne meurt en faisant les bid'a et ne fait pas le repentir, c'est grave pour lui. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, Al-Bani, dans Sahih al-Jami', a dit hadith authentique. Il a dit quoi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ta'ala, haba, et dans une autre version, hajaza, at-tawbata, ansa bid'a, hatta yada'a bid'atahu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis un voile. Il a dit que Allah ta'ala a mis un voile. Non. Entre yani, celui qui fait la bid'a, entre lui et la touba, juste ce qu'il délaisse la bid'a, c'est grave. Celui qui fait la bid'a fait ou là appartient à ce qu'on appelle l'ignorant complexe. Car l'ignorance est de deux sortes, la simple et la complexe. Pourquoi il fait partie de l'ignorance complexe? Parce qu'il pense que ce qu'il fait est juste. Et il peut même te ramener des lits. C'est pour ça que la tauba du mubtadi' est rare et difficile. Non. Quelqu'un qui fait des grands péchés mais qui n'est pas mubtadi', il boit de l'alcool, il fait la zina, il fume la drogue, c'est plus ou moins facile de lui faire quoi. Il peut vite revenir parce qu'il est dans la faute. Mais le mubtadi' ne sait pas qu'il est dans la faute et croit qu'il est dans le vrai et que c'est toi qui es dans la faute. D'où la difficulté de lui faire arriver le haqq à son cœur. C'est difficile. Naam. Donc, avec sahib la bid'a, on doit lui expliquer, lui faire des rappels, des exhortations, lui dire ce qu'ont dit les ulama, ce qu'ont dit les grands savants, et lui citer des hadiths comme ça, jusqu'à ce que peut-être qu'Allah Azzawajal fasse de toi un moyen de le guider, une cause, et tu seras, inshallah ta'ala, rétabli de la meilleure des rétributions. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. بارك الله فيكم شيخ. Question suivante d'une sœur qui demande, qui dit avant tout qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus, cher. Qu'en est-il du fait de mettre la tête, à la tête de la tombe une pierre en y inscrivant le nom du défunt pour retrouver sa tombe? Bارك الله فيكم شيخ. Donc, c'est dans le but d'information, cher, de savoir que c'est bien la tombe du personne qu'on connaît ou autre. Non, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, qu'on n'avait pas le droit d'écrire aussi sur les tombes. Non. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Ahkam al-Janaiz, c'est un livre que normalement tout musulman devrait, je ne vais pas dire lire, mais peut-être apprendre. Pour que, yani quand il aille au cimetière, oui, pour que s'il va laver quelqu'un, s'il va un mort, je veux dire, non, s'il va prier sur un mort, si qu'il sache yani comment faire cela d'après la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, c'est permis de mettre quoi? De mettre quelque chose comme ça qui permettrait de savoir que c'est une tombe. Ou alors que c'est là, c'est par exemple ma tombe. Si je mets par exemple devant elle un petit caillou comme ça, là, qui montrerait que yani, c'est ma tombe. Sinon, écrire dessus, Cheikh Al-Albani rahimahullah ne l'a pas permis. Ne l'a pas permis. Reste, est-ce que de nos jours, est-ce que de nos jours, yani, c'est permis comme moyen? Parce qu'il y a beaucoup de tombes, il y a beaucoup de tombes et c'est difficile, etc. De reconnaître où est la tombe, même si, alhamdoulilah, dans un cimetière, ils donnent, il a dit, des carrés, des numéros, sans que ça soit inscrit. On te montre comme ça, il a dit, ton mort ou la tombe défunt, il se trouve dans tel carré, tel numéro, la personne peut y arriver. Face Sinon, comme je disais, la personne doit éviter au maximum
d'écrire quoi que ce soit sur la tombe. Si beaucoup de personnes écrivent quoi? Le nom du défunt. Ensuite, ils disent Rahimallah, que Allah Ta'ala lui le fasse entrer au paradis. Il nomme la date de naissance. Si c'est une femme, ils disent elle est l'épouse de X, née en telle année, morte tel jour de telle année. Et certains ajoutent même des versets coraniques ou des doigts. Tout cela ne fait pas partie, yani, de la façon dont les pieux prédécesseurs et les salaf enterraient leurs morts. C'est à éviter, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Allah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: est-ce qu'une personne qui croit en l'existence des extraterrestres devient mécréant? Allah fait comme cher. Il y avait des coupures. J'ai pas bien entendu la question. La sœur demande: est-ce qu'une personne qui croit en l'existence des extraterrestres devient mécréante par cette pensée? Ibn Mohamed, est-ce que tu as posé la question? Tu n'as pas encore posé la question. Je t'avais demandé de la répéter. Est-ce que tu l'as répété? Naam, cher, mais je peux vous la reposer. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous m'entendez là cette fois-ci, cher? Alhamdoulilah. Donc la sœur dit: est-ce qu'une personne qui croit aux extraterrestres devient mécréante en pensant cela, avec cette croyance? Non, maintenant j'ai bien compris. Reprends-moi si je me trompe. Elle veut dire par exemple si que il y a des martiens. Il y a des martiens. Est-ce qu'il est devenu mécréant ou pas? Est-ce que c'est ça la question? Mohamed, est-ce que c'est ça la question? Non, alhamdoulilah. Donc je dis, cette question n'est pas sa réponse. Cette question, je ne connais pas sa réponse. Et quand je ne connais pas la réponse d'une question, c'est Ibn al-Qayyim, mais puisque, donc c'est qui? C'est Fawzi qui doit noter, Inch'Allah Ta'ala. Et moi, quand je ne connais pas une question, qu'est-ce que je fais? D'habitude, je l'envoie à Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah. Comme j'ai envoyé beaucoup de questions, et j'attends, et je vous ai promis que très bientôt, je répondrai à certaines quand j'aurai la réponse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, note cette question, elle y sera envoyée, Inch'Allah Ta'ala. Tfadhal. Barakallah fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que toutes les personnes présentes dans le salon. Concernant la quatrième mise en garde, à savoir celle contre le fait de prier à côté des tombeaux. Il arrive parfois que les mosquées dans les pays musulmans soient proches des cimetières et la direction se rapproche des tombeaux. Comment savoir si une mosquée est construite sur une tombe ou pas? Nous est-il permis, dans le doute, de prier une prière obligatoire en dehors de la mosquée pour un frère ou pour une sœur? Et cela nous est arrivé de prier dans ce genre de mosquée, devons-nous faire tawba, cher? Barakallahu fikoum. Et elle a envoyé doua de, selon Cheikh Ibn Baz, la doua pour entrer dans un cimetière. Afwan, à la fin, tu as dit la doua de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Je n'ai pas compris la relation avec la question. Tfadhal. Non, Faïda, elle a envoyé donc la version rapportée donc par Cheikh Ben Baz de la doua pour la visite des tombes. Donc c'était pour savoir si je la mettais ou pas, cher. Subhanallah al-Azim. Une chose que dirait Cheikh Ben Baz, Allah, et tu veux nous en priver, tfadhal. On commence par elle, Inch'Allah Ta'ala, tfadhal. Pose-la. Jazahullah khayran anna wa an al-muslimin. Comment qu'il a passé sa vie, rahimahullah azza wa jal, na'am, dans la science et yani, les recherches et la ibada et la prière de la nuit. Il était très connu pour cela, rahimahullah ta'ala. J'ai entendu Cheikh Al-Albani rahimahullah dans une cassette en parlant de Cheikh Ben Baz rahimahullah. Je l'ai entendu de mes propres yeux dire en parlant de Ibn Baz dire radiyallahu ta'ala anhu, comme ça il a dit en parlant de Ibn Baz. Il a dit radiyallahu anhu. Al-Muhim,
C'est un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains de ses créatures. Naam. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le statut de Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, que certains de nos jours maintenant lui donnent le qualificatif de Cheikh l'Islam. Beaucoup de savants même, en parlant de lui, ils disent Cheikh l'Islam. Si je vous disais que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, était ommé, analphabète, vous allez dire non, ça c'est pas vrai, c'est impossible. Regardez, une montagne de science. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même aussi était analphabète. Et yani, qui avait plus de science que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ibn Baz, rahimahullah, parmi les qualités, quelqu'un de très sérieux, trop sérieux même. Non, c'est rare qu'on le voyait rire. Justement, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au maximum sourire. Quelqu'un m'a rapporté une fois que yani, il était assis avec Cheikh Ben Baz et d'autres. Quand une personne est venue poser une question, ou Cheikh, rahimahullah, lui a dit, c'est pendant le Hajj. Il m'a dit, quand j'ai terminé le Hajj, et puisque je suis chauve, je n'ai pas de cheveux sur la tête, et comme yani, il faut passer donc. Faut se couper les cheveux ou les raser, il a dit, ou bien rétrécir. Il a dit, comme je n'ai pas de cheveux, j'ai demandé à quelqu'un, il a dit à Cheikh Ben Baz, rahimahullah, j'ai demandé à quelqu'un, donc comment je fais? Est-ce que, pourquoi il a demandé la question? Parce que certains savants, comme l'a cité Cheikh Ben Uthaymeen, rahimahullah, il a dit, certains disent que même si on est chauve, et passer le rasoir comme ça sur la tête, en guise de zama, je l'ai passé sur ma tête, même si on n'a pas de cheveux. Donc il a dit, j'ai demandé à quelqu'un, et ce quelqu'un, il a dit, il m'a répondu, puisque tu n'as pas de cheveux, et tu as la moustache. Il a dit, celui qui a posé la question, il a dit, quand j'ai dit cette phrase, moi-même, c'est-à-dire celui qui a posé la question, et tous ceux qui étaient assis avec Ben Baz rahimullah, ont ri, ont même éclaté de rire. Il a dit, sauf Ibn Baz, rahimahullah. Il a dit, je l'ai regardé, je l'ai vu, il a baissé la tête, ah, et resté un instant la tête, yani, il a baissé la tête basse, il a dit, et j'ai vu des larmes, des larmes des yeux. Il a dit, rahimahullah ta'ala, non, il a dit, comme ça il a dit, Naam, c'est-à-dire si j'ai des larmes aux yeux ou là, comme ça maintenant, les gens jouent, naam, en faisant quoi? En faisant des fatwas comme ça, qui n'ont aucun délil, naam, des djouhels, comme a dit le prophète, alayhi salam, à la fin du hadith, il a dit, quand Allah Ta'ala va prendre le ilm, en faisant mourir les savants, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont prendre des têtes de djouhels, et vont les savants. Subhanallah, regardez le sérieux, son sérieux, tellement sérieux que une chose qui fait rire, tout le monde a ri sauf lui. Lui, il a pleuré. Il a dit, Subhanallah, il a dit, le djihad est arrivé à ce point. Aux yeux. Rahimahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Naam, tfadlal. Donc, c'était quoi la question? Est-ce qu'il y avait une question ici ou il n'y avait pas? Tfadlal. La question de la sœur était par rapport au fait que certaines mosquées soient proches des cimetières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cher. Naam, proche, ça n'a rien à voir. Proche du cim n'a rien à voir avec la validité ou pas. On va voir la cimetière s'il a un mur et que la mosquée se trouve hors du mur, il n'y a aucun problème, même si entre la mosquée et le cimetière, il y a 1 mètre. Il y a un mur entre le cimetière et la mosquée. Mais maintenant, le contraire. Si la mosquée se trouve à l'intérieur du cimetière, et même dans un endroit isolé, ici il y a les tombes, et là il n'y a pas de tombe, c'est encore vierge, il y a une mosquée. Et cette mosquée se trouve entourée par les 4 murs du cimetière. Il n'est pas permis de prier dans cette mosquée,
Ou du moins, pour sortir de l'ikhtilaf, il n'est pas permis de prier la prière obligatoire bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Donc, je vous relis la question pour être bien sûr. Donc, à quel moment, enfin, elle dit, il arrive parfois que les mosquées dans les pays musulmans soient proches des cimetières. Et donc, elles se rapprochent des tombeaux. Donc, comment savoir si une mosquée est construite sur une tombe ou pas? Et nous est-il permis, dans le doute, de prier une prière obligatoire en dehors de la mosquée, que ce soit un frère ou une sœur? Et il nous est déjà arrivé de prier dans ce genre de mosquée. Devons-nous faire tawba? Voilà la question exacte. Oui, mais c'est pas très clair parce que la personne a des doutes. Ensuite, elle dit comment savoir qu'une question a été construite sur un tombeau. Si elle a été sur un tombeau, on voit le tombeau à l'intérieur de la mosquée. On voit le tombeau, il est tombé à l'intérieur de la mosquée. Moi, je connais une mosquée ici au Sahara, exactement à, comment s'appelle la ville, à Biskra, hein, à 10 km de Biskra. Hein, il y a une ville, il y a une mosquée à Afouane. Quand tu rentres à la mosquée, tu regardes derrière toi, au fond, à la fin de la mosquée, derrière toi, c'est-à-dire le dos de la Qibla, tu trouves une tombe recouverte d'un drap vert et autour de la tombe des barreaux, du baraudage. Et les gens, quand ils terminent la prière, le Subhadhorah, ils vont vers la tombe là-bas à la fin, ils lèvent les mains, ils font des doigts. Ils lèvent les mains, ils font des doigts. Donc, beau se trouve à l'intérieur de la mosquée. Et maintenant, si je dis la mosquée se trouve hein, pas dans le cimetière, et le cimetière a un mur qui le sépare de la mosquée, hein, la salat, rien n'est pas, disons, le fait que le cimetière soit proche de la mosquée n'influe pas. S'il y a quoi? S'il y a un mur qui sépare les deux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Maintenant, la personne dit, si la personne a des doutes et que peut-être là qu'il se trouve à l'intérieur du cimetière ou je ne sais pas, si elle a des doutes et qu'elle a vu des tombeaux là, qu'elle délaisse la prière, c'est mieux. Comme a dit le prophète, yani, laisse ce dont tu doutes pour ce dont tu ne doutes pas, bi'idhnillahi ta'ala. Surtout si c'est une question de salat. Voilà. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: cette question concerne le cours précédent. Est-il permis d'invoquer Allah pour qu'un sorcier meure ou pour qu'il le jette en enfer? Je connais une sœur qui fait ce genre de doua car elle éprouve une profonde haine pour un charlatan qui se cache derrière l'islam et qui pousse ses parents à faire du shirk. Barakallahu fikoum, cher. Il y avait quelques coupures, barakallahu fik, si c'est possible, répéter. Allahu a'lam cheikh, il me semble que les coupures sont chez vous. Si Fawzi, tu peux confirmer. Parce que même quand vous parlez, de temps en temps, ça saute un peu. Mais la question de la sœur est-il permis de faire une invocation contre un sorcier en demandant à Allah Ta'ala qu'il fasse qu'il meure, Allah Ta'ala qu'il fasse qu'il meure, ou pour qu'Allah Ta'ala le jette en enfer? Car il y a une sœur qui fait ce genre de doua. Car un charlatan qui se cache derrière l'islam pousse ses parents à faire du shirk. Barakallahu fikoum, cher. Quelqu'un qui nous fait du mal personnel, pas un mal à la religion comme le sorcier, du mal personnel, il est permis de faire des doigts contre lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man dhulim. Ce verset, si vous allez rentrer dans des tafsirs de Al-Sunna al-Jama'a, comme dans par exemple Tabari ou bien Ibn Kathir, vous allez trouver que il a été expliqué comme quoi Allah Ta'ala n'aime pas qu'on fasse des doigts à une personne. Sauf Mendolim. Sauf celui à qui on a fait du tort. Allah Ta'ala a cité dans le Coran que Moussa alayhi salam a fait des doigts. Quand il a dit Allahumma jdud ala amwalihim.
اللهم اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait des doigts sur leurs biens et sur leur cœur pour qu'ils ne deviennent pas croyants jusqu'à ce qu'ils meurent. Subhanallah al-Azim. Nuh alayhi salam a fait des doigts contre son peuple dans le Coran. D'ailleurs, c'est l'une des causes pour laquelle Yawm al-Qiyamah, quand les gens vont lui demander l'intercession, il va dire j'avais une doigt dans la dunya, je l'ai faite. Je l'ai faite. Khlas. C'est terminé. Le Mohim, quand il a demandé que Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse aucun kafir sur terre, il a dit car ils ne vont donner leur descendance que des kuffars. Naam. Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu ta'ala anhu a fait des du'as contre la personne de Thor et qui a dit que yani, quand quoi Sa'd ibn Abi Waqas ne fait pas bien la prière. Comme quoi, il ne distribuait pas l'argent légalement. Et que n'exhorte le djihad. Alors Sa'd s'est levé et a dit, Ya Allah, si cette personne s'est levée par ostentation, alors allongez-lui dans sa vie. Naam. Et faites de sorte qu'elle devienne pauvre. La troisième, donnez-lui de la fitna des femmes. Et quelqu'un a dit, j'ai vu la personne sur laquelle Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala a fait des doigts, je l'ai vu vieille. Allah ta'ala lui a allongé dans sa vie, au point où quoi? Il a dit, j'ai vu ses yeux, ce qu'on a au-dessus des yeux, la paupière, ce qu'on a au-dessus, tomber sur ses yeux, au point où il ne pouvait même pas voir. Et pauvre, au point où il tendait sa main. Et j'ai vu une femme passer devant lui, il a commencé à lui dire des choses pas bien. La fitna, à cause de la doua de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu. Al-Muhim, s'il est permis de faire des doua contre une personne qui nous fait un mal personnel, qu'en est-il contre une personne qui fait du mal, na'am, à la religion d'abord, subhanallah al-Azim, et aux croyants, en séparant les gens, en des couples, en donnant des maladies, la permission d'Allah Azza wa Jalla, en faisant que même des gens, certains gens attrapent certaines maladies jusqu'à mourir bi-idhnillahi ta'ala. Surtout que le statut du sorcier, c'est quoi? C'est yani la mort, d'être mis à mort, comme on l'a vu la fois passée dans le cours et la fatwa de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, même si Cheikh Ibn Uthaymeen a dit qu'il y avait d'autres de sorciers. Un, qu'on doit tuer, et l'autre, que c'est pas obligé de tuer. On a dit que la différence entre les deux, c'est que celui qui doit être mis à mort, celui qui travaille avec les djinns. Et le deuxième, celui qui ne doit pas être mis à mort, c'est celui qui travaille avec, comme on l'a dit une fois, yani, comme vous m'avez dit le mot, je l'ai oublié, il prépare des choses. Il dit, ramenez-moi la queue de la souris, telle chose de la grenouille, et telle chose, et il mélange, il donne à manger aux gens. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam, tfadl. Allah fait comme cher. Pour revenir à la question précédente, certaines personnes disent, quand c'est basé sur un soupçon concernant le fait qu'une mosquée soit posée sur une tombe, soit bâtie sur une tombe. Donc on n'est pas sûr, mais c'est des paroles, des rumeurs ou autres. En fait, à partir de quel moment on doit éviter de prier? À quel moment la rumeur donc doit nous pousser à ne pas prier dans cette mosquée? La réponse, c'est le hadith. « Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura » La base, c'est que la terre, tout endroit de la terre, est permis d'y prier dessus. Sauf le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Donc, la base, c'est quoi? La base, c'est qu'on ne prie pas ou on prie. La base, c'est qu'on prie sur toute terre. Jusqu'à ce que quelqu'un nous ramène des preuves claires, évidentes,
Là, on est au cimetière ou qu'il y a des tombeaux dans la mosquée. Mais si c'est seulement on a dit, ils ont dit, mon grand-père a dit, l'autre a dit, mais il n'y a aucune preuve. Je prie et ma prière est valable jusqu'à ce qu'il y ait des preuves qu'il y a des tombeaux et qu'elle n'est plus valable. Vous avez compris? N'est pas n'importe quel sous-sens, je vais pas prier. Sinon, dans n'importe quelle mosquée où je vais rentrer, on risque de me faire des choubouettes. On me dit autrefois il y avait un tombeau ici, on dit il y a un tombeau et comme ça. Naam. Wallahu ta'ala alam, Barakallah fait comme cher. Question suivante. Barakallah fait comme cher pour autant que vous nous accordez. Comment savoir si on est aimé par Allah et être reconnaissant par des bienfaits? Barakallah fait comme. a dit que les coupures c'était quoi? Moi j'ai pas bien l'impression. Sauter. Madame Cheikh, et je confirme que vous avez encore des coupures. Donc si vous est possible de sortir et de revenir, la commande fait comme chef. Barakallah fi kum cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je repose la question. Cheikh, barakallah fi kum pour autant que vous nous accordez. Comment savoir si on est aimé par Allah et être reconnaissant par des bienfaits? Barakallahu fikoum, cher. J'ai pas compris la dernière phrase et être reconnaissant par des bienfaits. J'ai pas compris. Non, mais j'avais pas trop compris parce que. Donc, elle dit. Comment savoir si on est aimé par Allah et être reconnaissant par des bienfaits? Je pense comment être reconnaissant par des bienfaits envers Allah. Ou à fond, ne cherche pas comment savoir si on est reconnaissant par rapport aux bienfaits qu'il nous accorde. Je pense que c'est plus ça. J'ai pas compris comment savoir que si on est reconnaissant. Yani, ça se voit qu'on est reconnaissant. On n'arrête pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On n'arrête pas de le glorifier, yani, pour les ni'mas qu'il nous a donné comme ça. Non. Si on est quelqu'un qui ne remercie pas Allah, qui ne fait pas dhikr, et qui par contre fait des péchés, non. Donc c'est une preuve qu'il n'est pas reconnaissant, car celui qui est reconnaissant, c'est celui yani, quand Allah Ta'ala lui donne les bienfaits, il le remercie et yani, fait davantage d'obéissance. Je reviens à la première question. Comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala m'aime ou pas? Non. Le prophète alayhi salatu salam a dit dans un hadith authentique, il a dit. ومازال عبدي صديق الله تعالى دي ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه et mon serviteur Allah Ta'ala dit et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant les nafila jusqu'à ce que je l'aime en faisant je répète en faisant des nafila des choses surérogatoires pas seulement la salat. Tout ce qui est surérogatoire, comme aumône, comme salat, comme hajj, comme dhikr, comme naam, il a dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant quoi? En faisant le surérogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Donc on prend deux choses. Que si tu veux te rapprocher d'Allah, il faut faire. À part l'obligatoire, il faut ajouter le surérogatoire. Non. À part l'obligatoire, qui est une obligation que Allah Ta'ala aime, il y a le surérogatoire pour se rapprocher d'Allah. En fait, c'est clair. Quelqu'un va dire, comment cela? Je vais dire. Si tu travailles chez quelqu'un et il te dit par exemple, tu travailles de 8 matin, tu travailles de 8 heures du matin, par exemple, disons jusqu'à 16 heures. Disons tu as 20 euros par jour. Disons.
Naam. Et toi maintenant, quand tu termines à 16 heures, tu ajoutes encore une heure alors que tu n'es pas payé. Ton travail s'arrête à 16 heures. Tu termines, tu ajoutes une autre heure jusqu'à 17 heures. Tu restes dans ma maison en train de travailler, de décorer ou de peindre ou je ne sais pas quoi, de bâtir. Alors tu sais que tu n'es pas payé. Naam. Qu'est-ce que je vais comprendre moi? Que c'était subhanallah l'adem. Donc vraiment, yani, naam, tu n'es pas comme les autres travailleurs qui, yani, 5 minutes avant l'heure, quittent le travail. Ou peut-être un quart d'heure. Ils se sauvent. Mais toi, mashallah, tu fais l'obligatoire et tu ajoutes des choses de toi. Donc sûrement moi, le propriétaire de la maison, ou bien celui qui t'a embauché, sûrement que je vais te préférer aux autres. Peut-être même voir t'aimer. T'aimer, je dis celui-là, c'est quelqu'un de mashallah. Le travail se termine à 16 h et lui, il reste jusqu'à 17 h sans être payé pour cette heure. Allah Ta'ala, quand tu fais toi l'obligatoire, Naam, il nous aime pour l'obligatoire. Il a dit ça dans le hadith, le début du hadith. Il n'y a pas une chose que j'aime comme la chose obligatoire à laquelle j'ai enjoint mon serviteur de faire. Ensuite, et la personne, mon serviteur, ne cesse de se rapprocher de moi avec quoi? Avec la nafila, en faisant des choses de lui-même, surérogatoire. Naam. Jusqu'à ce que je l'aime. Regarde, mon frère, ma soeur, si tu fais des nawafil, naam, c'est que peut-être tu as, inshallah ta'ala, atteint ce statut que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, c'est comme dans la fin du hadith, il a dit, je serai sa main avec laquelle il prend ses yeux, avec lesquels il voit son oui, et s'il me demande, je lui donne, et s'il fait, il me demande le pardon, je lui pardonne, et s'il veut se préserver de moi, je le préserve, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal. Ensuite aussi, j'ajoute une chose. Si tu vois que, masha'Allah, tu es en train d'avancer dans le dîn, à chaque fois tu t'éloignes des péchés, il y a une nouvelle adoration que tu fais, masha'Allah, c'est un signe aussi que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Car quand il aime quelqu'un, il lui ouvre ce chemin, il lui facilite l'adoration, il lui facilite le rapprochement, bi'idhnillahi ta'ala. Et si tu vois le contraire, que tu as régressé, et que tu commences à et que tu commences à ne plus prier à l'heure, et que tu as enlevé ton voile, si tu es une sœur, naam, et que tu commences à toucher la main aux gens, aux hommes, alors qu'auparavant tu ne le faisais pas, et que tu commences à fumer, si tu es un homme ou une sœur, alors qu'autrefois tu as jeté la cigarette, tu commences, a'oudhou billah, à t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es en train d'encourir sa colère. Naam, tafadhal. Barakallahu fikoum, cher. Je vous avais envoyé un whisper tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez lu, sinon je vous le renvoie, inshallah. En attendant, je vous pose une question. Question d'un frère qui demande: que peut-on répondre à ceux qui propagent l'ambiguïté suivante? Vous dites que construire des mausolées et prier près des tombeaux est haram. Et pourtant, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est construite sur la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sur celle des compagnons Omar et Abu Bakr, radiallahu anhuma, et vous priez près d'elle. Barakallahu fikoum, cher. Celui qui dit une chose pareille fait partie de l'une des deux personnes. Ou bien c'est un jahil, ou bien c'est un menteur. Ou bien c'est un jahil, ou bien c'est un menteur. Si c'est un jahil, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Naam. Et sûrement que Allah Azzawajal a quoi? A exaucé sa doua. La preuve qu'il a exaucé sa doua, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, fa'ajaba rabbul alamin du'a'ah wa ahatahu bi thalathati al-judrani. Et il a dit,
Le Seigneur de l'univers a exaucé son invocation et l'a entouré de trois murs. Naam. Donc, il y a trois murs. La tombe du prophète alayhi salam et quoi? Et la mosquée. Et nous, on a dit, s'il y avait un seul mur, c'est terminé. S'il y a un seul mur entre le cimetière, le tombeau et la mosquée, tu peux prier dans la mosquée. S'il y a un seul mur. Qu'en est-il maintenant? Il y en a trois murs. Allah ibarak. Allahu Akbar. Trois murs. Un, deux, trois. Fa'ajaba Rabbul alamin du'a'a wa ahatahu bi thalathati al-judrani. Le Seigneur de l'univers a exaucé son invocation et l'a entouré de trois murs. Un, deux, trois. Subhanallah al-Azim. Comment donc peut-on dire que yani, le tombeau se trouve dans la mosquée? Donc, ou bien la personne est jahil, ne sait pas qu'il y a trois murs, ou bien la personne veut mentir. Naam, et veut yani, tromper les gens. Que Allah Ta'ala nous préserve. Tfadlat. Allah fait comme cher. Question suivante. Donc, question à l'Aqida. Ma question concerne les anges. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si les deux anges chargés de noter tous les faits et gestes de tous les êtres ne sont qu'au nombre de deux pour l'ensemble de l'humanité, ou si chaque personne a ses propres anges, mais qui exercent la même fonction, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs mais font la même chose, c'est-à-dire noter les actions. Allah fait comme cher. Ce que je sais moi, pour Allah Ta'ala, ce que j'ai appris dans la Aqida, c'est que chacun a ses deux anges. Chacun a ses deux spécialement pour lui. Spécialement pour lui. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Donc je disais, ce que je sais, c'est que chaque personne a ses deux anges qui lui écrivent spécialement ce qu'il fait lui. Pas autre personne. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, tfadlal. Barakallah, fait comme cher. Question suivante d'un frère qui dit, Cher, hafizakumullah, pour les tombes dans les mosquées où il y a des saints, pouvons-nous faire salat dans la mosquée et souvent on doit offrir des bougies? Et cela est-il accepté? Donc il parle des mosquées au Maroc. Donc dans certaines mosquées au Maroc, les personnes doivent offrir des bougies et il veut savoir si elles peuvent prier dans ce genre de mosquée qui regroupe des tombes en plus. Jazakallah, si c'est possible de répéter la question. Et je suis d'accord pour le whisper. Tfadal. Donc la question du frère est, pour les tombes dans les mosquées où il y a des saints, donc awliya salihin comme ils disent, pouvons-nous faire salat dans la mosquée? Et souvent, on doit offrir des bougies. Cela est-il accepté? Je répète, je dis, ce n'est pas permis de prier dans une mosquée où il y a les tombeaux. Car le tombeau en islam et la mosquée ne se rencontrent jamais. C'est un couple, qui ne s'est jamais marié et sans mariage, ils ont divorcé à vie. Ils ont dit, nous jamais on peut se marier. Donc, les savants ont dit, si jamais on trouve que le tombeau et la mosquée se sont groupés, donc s'ils sont mariés, on va voir lequel des deux est venu après. S'il y a et ensuite les gens ont construit une mosquée, on doit détruire la mosquée. Même si c'est une mosquée construite pour Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, pour que les gens viennent prier. Et elle n'a plus de quoi, elle n'a plus de vénération, elle doit être détruite, bi'idhnillahi ta'ala. Elle n'est plus pas sacrée. Si maintenant c'est le contraire, il y avait une mosquée et les gens ont venu enterrer quelqu'un à l'intérieur de la mosquée. Cette tombe n'a plus de valeur. On doit la détruire et désenterrer le mort. On creuse et on fait sortir le mort et on l'emmène au cimetière bi'idhnillahi ta'ala. Donc je dis, on ne prie pas dans une mosquée où il y a des bougies. Et aller allumer des bougies, c'est une sorte de shirk. Aller allumer des bougies devant un tombeau
Naam, ça rentre dans comme font les mouchrikoun, naoudou billah. Et le prophète Hachlam a interdit d'allumer du feu devant une bougie, devant un tombeau. Hadith authentique. C'est interdit d'allumer du feu. Et d'ailleurs, on a lu tout à l'heure, peut-être la personne n'était pas avec nous, où on a lu que il a dit que maintenant les gens ont renversé les choses et yani, allument des bougies et bloquent de l'argent, bloquent un fond d'argent spécialement pour les bougies et les lampes à huile. Et les lampes à huile qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfadl. Allah fait comme cher. C'est un frère m'a envoyé en privé des paroles de Cheikh Fawzen en arabe pour le fait de remercier Allah pour un bienfait. Il demande la traduction. Donc rapidement, Cheikh Fawzen dit, donc si une personne reçoit un bienfait d'Allah Azzawajal, alors il le remercie, remercie Allah Azzawajal pour celui-ci. Et il doit l'utiliser dans la voie d'Allah Azzawajal et dans son obéissance. Et il doit louer Allah, que ce soit au fond de son cœur et même avec la langue. Et il doit également savoir et attester donc et que cela vient d'Allah et que ce n'est pas, cela ne résulte pas de la force et de la puissance de sa propre personne, mais que ça vient bien d'Allah. Il dit que donc les piliers du remerciement pour Allah, c'est le fait de l'exprimer par la langue, donc remercier Allah Ta'ala par la langue, et le fait de l'acquiescer par le cœur, et donc de l'attester même par le cœur, n'am barakallahu fikoum cheikh, ni de l'intelligence de la personne. Et il doit l'utiliser dans toutes les cités, et ne pas tomber dans le haram avec cette chose-là. Donc c'était pour la faïda, cheikh. La question suivante est la question d'une sœur qui vous demande: comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné, alors que justement c'est un prophète et qu'il est pieux et qu'il ne manque pas les invocations du matin et du soir et qu'il était très proche d'Allah azawajal? Donc comment comprendre ce qui peut être en apparence un paradoxe? Peut-être que parmi les raisons qu'Allah a laissé la personne. Reprends-moi, tu as dit pourquoi le prophète a été empoisonné ou bien ensorcelé? Qu'est-ce que tu as dit? Répète, je te donne le micro. Non, j'ai dit empoisonné, mais dans la question c'était plus ensorcelé, ensorcelé il me semble. Car en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi les deux. Il a été empoisonné ou ensorcelé. Donc empoisonné, c'est pas grave, car quand il a voulu manger et a mis quelque chose dans sa bouche, l'épaule lui a appris qu'elle contenait du poison. Alhamdoulillah, il n'a pas continué à manger, il a craché. Et une personne qui était avec lui est morte parce qu'elle avait mangé. Mais le prophète, malgré cela, a toujours eu du mal. Non. Que vers la fin de sa vie, il disait comme ça, il disait, jusqu'à présent, je ressens des douleurs du fait de ce que mangeait cette personne-là, c'est-à-dire le poison. La personne qui l'a empoisonné s'appelle Zaynab bintul Harith, une juive. Une juive. Quand il lui a dit, pourquoi tu as fait ça, alayhi salam? Regardez les juifs comment ils trouvent la réponse, subhanallah l'adhim. Si c'était moi, j'aurais jamais trouvé la réponse. Elle a dit, eh bien, c'est simple. Pour voir, je voulais tester. Si tu es un prophète, tu l'aurais su. Et si tu n'es pas un prophète, seulement quelqu'un, un imposteur, alors on se serait, yani, alhamdoulilah, reposé de toi. Et quand tu meurs, subhanallah l'adhim. Yehoud, comment qu'il trouve la réponse vite, hein? Réponse, yani, Subhanallah, veut convaincre. Si tu es un prophète, c'est simple. On va te le dire. Allah Ta'ala va te le dire. Si tu ne l'es pas, alors, alhamdoulilah, on n'aura pas besoin de toi, le muhim. Quant à la sorcellerie, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'Allah Ta'ala a laissé
le sorcier, l'ensorcelé, c'est un juif aussi, subhanallah al-Azim. Ibn al-Asam, c'est aussi un juif qui a ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, certains disent qu'Allah Ta'ala l'a laissé pour que ça soit une leçon aussi pour nous. Et se dire, si le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, la personne la plus rapprochée d'Allah Azzawajal, a été touchée par le sihr, alors qu'en est-il nous? Qu'en est-il nous? Donc on devrait y aller faire beaucoup de doigts et prendre toutes nos précautions possibles. Et ne pas s'étonner si le sihr nous atteint. Car on va dire que le prophète lui-même a été atteint. Donc lui, il est pour nous quoi? Il est pour nous un modèle dans toutes les choses. Même dans le sihr quand il a été touché. Que tu dises toi, justement, ça nous pouvons neutre, on pense bon, etc. Même si on fait des avocats de protection, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Une seconde, je prends le micro. Certains, ils s'étonnent, disent comment? On fait des invocations de protection et on lit les sourates protectrices contre le sihr. Que Allah Ta'ala a dit, c'est contre le sihr. Comme le Baqara, il a dit, il a dit, les sorciers ne peuvent rien faire contre le Baqara. Et le prophète Arsène nous a appris des invocations contre le sihr. Et manger cette date, Naam, cette date chaque jour, yani, comment qu'on dit, à jeûne, les dates de Medina, il a cité une ville, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, c'est pas obligé que ça soit cette ville. Et malgré cela, yani, on peut m'ensorceler. Je vais vous dire pourquoi. Si je te donne une épée, et que je te dise, ou plutôt que je te dise, tu vois l'épée qui est là-bas, cette épée, si tu la prends, tu peux couper avec la tête de l'ennemi. Donc, alhamdoulillah. Maintenant, je sais que l'épée coupe la tête de l'ennemi. Ça y est. Mais maintenant, il y a deux ou trois choses qui vont rentrer en facteur. La première, est-ce que cette épée, aiguisée ou elle n'est pas aiguisée? La deuxième, très importante, est-ce que celui qui va frapper avec cette épée, c'est quelqu'un qui est fort ou quelqu'un qui est faible? Est-ce que tu as donné l'épée pour frapper l'ennemi? Tu as donné l'épée à un jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, mashallah, ou bien tu as donné l'épée à quelqu'un de 90 ans qui tremble? Quand tu la lui donnes, elle peut même pas tenir dans sa main. Sa main tremble et il la jette par terre. Et tu lui dis, voilà, Adjoual, tu lui dis, frappe l'ennemi. Et la troisième chose, très importante, est-ce que l'ennemi que tu vas frapper est un ennemi à corps découvert, ou bien qu'il a un bouclier, ou bien qu'il a... Il a mis aussi une armure en fer. Il est rentré dans une armure en fer. Tu vois à peine ses yeux. C'est très important, ça. On revient. Les protectrices, elles sont protectrices. Les invocations de protection. Mais est-ce que moi, quand je les ai lues, est-ce qu'il y avait vraiment dans mon cœur? Ou est-ce que alors je les ai lues dans un moment de distraction. J'étais distrait. C'est pas ce que je disais. Alors je suis en train de voir un film. Oh, je ne sais pas, ma tête est ailleurs, ils sont en train de lire. Est-ce que la faute, ou bien la faute se trouve dans les sourates protectrices? Elle se trouve en moi. Naam. Ou alors peut-être une personne va les lire avec l'intention, je vais les tester. Ah, peut-être c'est pas vrai. Ah, je vais tester. Hein. On m'a dit que cette date, ça donne pas le sihr. Être coursi, ça enlève le sihr. Ah, je vais tester être coursi, je vais la lire. C'est-à-dire, je suis pas sûr dans mon cas. Il faut les tester. Est-ce que tu crois que ça va devenir protectrice pour toi? Non. Donc, je dis,
toutes les sourates citées, qu'a cité Allah, qu'a cité le prophète, on n'a pas un brin de doute qu'elles sont protectrices. Mais des fois, le défaut vient de nous. Naam, on ne les a pas lues avec sincérité, ou bien pas avec un cœur présent, ou bien juste pour les tester. Et dans ce cas, ça ne donne pas de résultat, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande: est-ce que les femmes ont le droit de suivre le cortège funèbre et ont-elles le droit d'aller visiter les tombes, comme pour le hadith que vous avez cité? Pour le fait de suivre le cortège funèbre, il y a le hadith d'une des femmes des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si j'ai une bonne mémoire, Salama. Ou peut-être Atiyya. Vous pouvez confirmer très vite et me donner la réponse, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que yani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a déconseillé cela, mais sans insistance. Il n'a pas insisté. C'est pour ça que les savants ont dit, c'est permis mais makruh. C'est jaiz mais makruh. Naam. Vous savez, on peut joindre entre les deux, c'est-à-dire, ce n'est pas mashrou'. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose qu'on fait, qu'on doit dire aux gens, faites-le, c'est bien, etc. Mais, yani, si une femme le fait, naam, on ne peut pas le lui interdire, d'après le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à aller visiter les tombeaux, la plupart des savants d'Arabie saoudite interdit cela. Il dit c'est interdit à une femme d'aller visiter les tombeaux. Contrairement à Cheikh Al-Albani rahimahullah qui a dit que c'était permis. Et chacun a cité ses dalils bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est à vous, inshallah ta'ala, de lire hein, les dalils de ceux-là, des grands savants, et les dalils de Cheikh Al-Albani, et de voir yani, que le dalil que vous trouvez plus convaincant, bi'idhnillahi ta'ala. Quel est le dalil que vous trouvez plus convaincant, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant à moi, et ce n'est pas obligé de me suivre, là, j'ai pris de l'avis de Cheikh Al-Albani quand j'ai lu ce qu'on dit cela et ce qu'on dit cela. J'ai pris de l'avis de Cheikh Al-Albani et de ses dalils qui pour moi sont plus clairs, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: vous avez, cher, vous avez parlé du fait qu'on ne puisse pas prier dans un hammam. Est-ce pareil dans une salle de bain qui ne comporte pas de toilette? Barakallahu fikoum, cher. Naam, c'est la même chose. Pourquoi? Car le hadith qui a interdit de prier dans le hammam, ce n'est pas à cause des toilettes. Non, ce n'est pas ça la cause. La cause, c'est quoi? Ma'wa shayatin. Car c'est l'endroit des shayatin. Naam. Là où il y a l'eau chaude, ce qu'on appelle une jiriya, par où passe l'eau, et la chaleur indique, et la vapeur, et ceci, cela. Naam. Le shaitan, n'oubliez pas qu'il a été créé de quoi? De feu. Ça, il a été créé de feu ardent. Donc, certains ont cru qu'on ne prie pas dans le hammam à cause qu'il y a quoi? Il y a la najasa, la souillure. Tu dis, alhamdoulilah, maintenant j'ai bien lavé l'endroit, il n'y a pas de souillure, donc je peux prier. On dit, il n'y a pas de prière. Naam. Le prophète a interdit. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Majmu' al-Fatawa, si maintenant une personne était dans le bain et que maintenant elle a vu l'heure, il ne reste plus, par exemple, qu'une minute. C'est impossible de sortir du bain et d'aller je ne sais où pour prier à la maison ou là je ne sais où. Il a dit, est-ce que elle prend du hadith, c'est interdit de prier dans le bain. Donc, elle fait sortir la salat de l'heure, ou est-ce que elle prend du verset qui dit que la prière a son heure, et les hadiths qui disent qu'on doit prier à l'heure. Il a dit maintenant deux choses se sont contredites. L'heure, c'est avec l'endroit. L'endroit où je suis, c'est haram de prier,
et l'heure dit qu'il faut prier à l'heure. En islam, qui a plus d'avantage, qui est primordial sur l'autre? L'heure ou bien l'endroit? Je donne 10 secondes à un admin de me répondre, de me dire seulement, de me répondre, peut-être qu'on n'est pas la réponse, de me dire seulement d'après lui, qui est plus primordial? Il y en a en islam, s'il y a contradiction, on donne la primauté à l'heure, on doit prier, ou alors on donne la prière, on dit il ne faut pas prier. Ibn al-Jazayr, d'après toi, d'après ce que tu as lu, ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris? Que c'est l'heure qui a la primauté ou bien c'est l'endroit? Jazayri, moi je dis l'heure. Et Fawzi a dit l'heure. Et je pense que la plupart d'entre vous ont dit c'est l'heure. Naam. Pourquoi? Moi, je ne prie pas dans le bain-mort. Mais maintenant, je sais pas, et il me reste seulement 1 minute. Je n'ai pas comment faire. Si je sors, ma prière, je ne vais pas arriver chez moi, je vais arriver la nuit. Donc qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu pries et tu es excusé. Et de ce fait, les savants ont dit, les savants contemporains, dans leur fatwa, beaucoup d'eux ont permis de prier dans la salle de bain pour la personne, par exemple, qui est persécutée par ses parents, comme une nouvelle reconvertie ou un nouveau reconverti. Il n'a pas où prier. Il n'a pas où prier. Comment qu'il fait? Si tu pries dans la pièce, ses parents vont l'expulser de la maison et le frapper et le battre. Donc, il n'a que, yani, prier dans la salle de bain, fermé à clé, comme quoi ses parents, ils croient qu'il est en train de prendre la douche. Et l'endroit où il y a les toilettes, le pot où on fait les toilettes, il le ferme, nam, et il cherche un endroit un peu loin de ce pot, nam, et il essuie bien l'endroit où il va prier, et Inch'Allah ta'ala, il prie, Inna ta'ala, si c'est le seul endroit où il peut prier. Tfadlal. On peut utiliser cela ici, cher. Où? J'ai pas compris. إن تزاحم المفاسد أي يرتكب الأدنى من المفاسد نعم on peut inshallah ta'ala نعم c'est quoi le plus grand mal ici c'est de prier dans un endroit où c'est pas permis ou de faire sortir la prière de l'heure le plus grand mal c'est de faire sortir la prière de son heure نعم Maklar fait comme cher. Question suivante d'un frère qui dit: Qu'Allah vous élève ici-bas et dans l'au-delà, cher, ainsi que toutes les personnes présentes. La question porte sur le cours précédent concernant la sorcellerie. Depuis un mois, avec une épouse de la famille, on ressent des mouvements dans le ventre. Elle a... Depuis un mois. Donc, une épouse de la femme. Un fois, non? J'essaie de bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Donc, depuis un mois, avec une épouse de la famille qui ressent des mouvements dans le ventre. Alors qu'elle a accouché il y a 4 mois, et elle était indisposée jusqu'aujourd'hui, en pensant que c'est peut-être des djinns, car depuis un moment elle fait des songes désagréables tous les soirs, au point qu'elle a peur maintenant de dormir sur ce fait. Elle demande si ça peut être du sihr. Barakallahu fikoum, cher. Barakallahu fik, si c'est possible de répondre à la question. Ensuite, j'ai jamais entendu dans ma vie une phrase où on dit avec une épouse de la famille. Une épouse de la famille, ça je n'ai jamais entendu et je ne sais pas ce que ça veut dire. Une épouse de la famille. Il y a mon épouse, mais une épouse de la famille, c'est jamais entendu. Femme, si tu peux m'expliquer, Adi, et dans quel français ça se trouve? Tfadlal. Là, cher, c'est pour ça que j'ai bugué. Et donc, je pense qu'il veut parler d'une femme mariée, donc dans sa famille, qui est mariée à un frère, Inch'Allah. Donc, elle a accouché il y a 4 mois. Et elle était indisposée jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, elle ressent des mouvements dans le ventre. Et elle pensait que c'était des djinns. Et elle fait en plus des cauchemars tous les soirs, au point qu'aujourd'hui elle a peur maintenant de dormir, et elle demande si cela peut être du sihr. Dois-je comprendre, voilà, dois-je comprendre que cette femme,
ou disons cette épouse de la famille, cette épouse de la famille, qui maintenant a accouché il y a 4 mois. Dois-je comprendre que, donc cela fait 4 mois qu'elle n'a pas prié? Est-ce qu'elle veut dire aussi cela? Que cette épouse de la famille, ça fait 4 mois qu'elle n'a pas prié. Demande-lui si c'est comme ça. Puisqu'elle est indisposée toujours. Elle est toujours indisposée. Tfadlal. En attendant la réponse, Inch'Allah, cher, je vous pose la question suivante d'une sœur qui dit: Hassan Allah, il est comme cher. Donc, à la fois, vous avez répondu déjà à cette question, c'était concernant le cortège funèbre. Donc, question suivante d'un frère qui dit: Cher, je suis originaire d'une ville en Algérie où il vénère une statue sur Steiff. Et je n'arrête pas d'y penser. Comment dans un pays musulman ils peuvent tolérer ceci? Ma question est vraiment pour comprendre et non pas pour gêner des musulmans ou pour vous manquer de respect. Barakallahu fikoum cher, on vous aime cher. Fillah ya cher. Cher, vous connaissez peut-être Aïn Fouara, dit-il. C'est bien ça, cher. Il a même dit dans la question, c'était Aïn Fouara. Donc, je voulais dire, donc la sœur dit que, yani, mais c'est un peu contradictoire. Elle dit non, elle dit non. Ah, Mohamed, qu'est-ce que ça veut dire, elle dit non? Non, elle prie ou non, elle prie pas? Non, elle prie ou non, elle prie pas? Si elle veut dire non, elle prie, je veux dire c'est contradictoire, car elle a dit qu'elle était indisposée. Donc, comment prie-t-elle? Donc, quand tu as dit, elle dit non, c'est pas clair. Vu la question, elle n'a pas prié. Ah, Mohamed, demande-lui, Inch'Allah Ta'ala. Bon, maintenant, je dis pour la statue qui se trouve à Sétif, c'est dommage. C'est dommage. Premièrement, c'est une statue d'une femme. Une statue d'une femme. Non, ce n'est même pas un homme. Une femme toute nue. La statue d'une femme nue. C'est au moins une femme avec les vêtements. Et si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, car moi je suis passé une fois, yani, à quelques mètres d'elle, mais j'ai pas bien vu. Si je me trompe pas, c'est à vérifier, car il y a une source d'eau, yani, qui jaillit de cette statue. C'est une fontaine. Là, il y a une fontaine qui jaillit de cette statue. Et si je me trompe pas, c'est à vérifier, hein, les gens de Sétif peuvent nous confirmer, je crois que cette fontaine et cette eau qui jaillit de ses parties intimes, des parties intimes de la statue, si je me trompe pas. Peut-être c'est, ou bien c'est de sa bouche, ou je crois de ses parties intimes. C'est ce qui est plus grave. Wallahu ta'ala alam. El-Mouhim, même si c'est pas le cas, yani, ce qui est dommage, c'est que les gens ont une mauvaise de mauvaises yani, attestations par rapport à elle. Ils attestent que chaque personne qui boit une seule fois de cette eau, doit y revenir. Subhanallah. Alors que Zemzem, de la Mecque, tu peux en boire et sans jamais y revenir à la Mecque. Tu peux boire des litres et des litres, tu ne reviens pas. Et eux, ils disent, si jamais tu bois de cette eau, tu dois revenir à cette ville. Il y a quelque chose qui te fait revenir. Donc, c'est la aqida, c'est le shirk. A'oudou billah. Naam. Smaïl Jazairi, tu as dit, je confirme ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu confirmes? J'ai pas compris. Est-ce que tu confirmes par rapport à l'eau, d'où j'ai dit, de l'endroit où il sort? Ou bien non? Pour demander à quelqu'un qui est stiff. C'est très connu cette chose, ici en Algérie. Elle va s'y revenir, Naam, ça c'est vrai. Et pour la sœur et la prière. La sœur qui dit que ça fait 4 mois qu'elle a accouché. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau pour le moment. J'ai posé la question, mais je n'ai pas de réponse. Donc, cher, est-ce que vous avez fini concernant Aïn Fouara? Ou est-ce que je pose à la question suivante?
Alhamdulillah. Donc, je ne sais pas, je parlais, le micro est parti. Donc, la personne demande qu'Allah vous augmente en science. Je voudrais comprendre Salat al-Janaza dans les mosquées. Je n'ai jamais compris le fonctionnement. Est-ce qu'on amène les morts dans les mosquées et après on fait Salat al-Janaza? Est-ce que le mort rentre bien dans la mosquée? Ou s'il y a des masajids à côté des cimetières spécialement pour Salat al-Janaza? Est-ce permis? Ou est-ce que ça existe bien? Car je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait. Barakallahu fikoum, cher. Puisque je vais bientôt yani, terminer les questions, fermer le salon, je dis, par rapport à celle qui a posé la question sur la prière et ça fait 4 mois qu'elle a accouché, etc. Bon, elle est là, alhamdoulilah, elle dit, elle a prié, elle a eu ses retours de menstrues depuis les fins des logis aujourd'hui, elle s'est purifiée dans qu'elle priait. Elle dit, elle a prié, elle a eu ses retours de menstrues. Depuis la fin des logis, aujourd'hui, elle s'est purifiée, donc elle a prié, alhamdoulilah. Donc, c'était quoi sa question? Quand elle n'en avait plus. En fait, c'était quoi la question de la sœur? Puisque jusqu'à présent, tout est normal. Elle a eu ses menstrues à la fin des logis. Et ensuite, elle s'est purifiée, elle a prié. Donc, où est son problème? Et douleur dans le ventre. Non. Tfadal. Afouane, cher, parce que j'essaie de vous mettre ça par écrit, mais le mieux c'est que je vous l'explique à l'oral. Donc, elle dit qu'elle a accouché il y a 4 mois, et depuis ce moment-là, elle a des douleurs dans le ventre, et elle fait beaucoup de cauchemars. Elle pensait que c'était un djinn, et elle veut savoir si aujourd'hui, enfin, elle veut savoir si c'est pas du sihr ou autre. Barakallahu fikoum, cher. Sachant qu'elle est restée donc indisposée 4 mois. Avant le djinn, moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'abord le djinn, c'est l'être humain. L'être humain qui m'intéresse avant le djinn. Je reviens et je dis, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Non, qu'est-ce que ça veut dire, elle est restée, elle est avec, comment tu as dit, indisposée 4 mois. Elle dit, je n'arrive pas à le comprendre. Essaye de m'expliquer cette chose. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est restée indisposée 4 mois. Moi ce que je sais, c'est quand une femme dit, elle est indisposée, ça veut dire, elle a le sang. Donc si elle a le sang, elle ne peut pas prier. Donc elle est restée 4 mois en train de prier. Elle dit non, j'ai prié. Elle dit j'ai pas compris. Il faut qu'elle m'explique ça d'abord. Ensuite on va passer au djinn, inshallah ta'ala. Tfadlal. Est-ce que vous avez répondu, cher, à la question de la sœur juste avant, concernant Salat al-Janaza? Quoi la question de Salat Janaza? Dhakirni, c'était quoi? La sœur demandait comment ça se passe exactement. Est-ce qu'on amène le mort dans la mosquée et on prie donc à l'intérieur de la mosquée? Ou est-ce qu'on le laisse dehors et donc on le prie dehors? Et elle demande aussi le fait qu'on construise des mosquées à côté des cimetières spécialement pour Salat al-Janaza. Si cela est permis. En fait, en gros, comment ça se passe pour Salat al-Janaza, que ce soit à la mosquée ou autre. Barakallahu fikoum, cheikh. Vous m'entendez, chauffe, pour Salat al-Janaza, pour Salat al-Janaza, la règle et la base, c'est qu'on prie sur le mort dans un musalla, un endroit spécialement pour prier sur les morts. C'est ça la base. Musalla, ce n'est pas une mosquée. C'est comme le prophète Hassan, par exemple, faisait la Salat al-Janaza dans un musalla. Un endroit comme ça, un espace. On le laisse spécialement, par exemple, pour la prière sur le mort. C'est ça la base. Maalich, une salle. Maalich. Mais, il est toutefois permis, et c'est même sunna, de prier aussi sur le mort dans la mosquée. C'est-à-dire, on fait rentrer le mort. Comment qu'il s'appelle dans la civière, je crois. Comment ça s'appelle? Le cercueil, voilà. On fait rentrer le cercueil dans la mosquée et on le pose devant l'imam. Et comme vous savez, l'imam, la sunna, c'est quoi? Si c'est une femme, il se met au milieu de la femme, du cercueil. Si c'est un homme, il se met à côté de sa tête.
Et il guide les gens. Il dit Allahu Akbar et les gens derrière lui prient. Donc je répète, la sunna de la base, c'est de la faire dehors, dans un musalla. Mais si on la fait dans la mosquée, c'est permis de la faire dans la mosquée. Car comme vous savez, comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala, quand elle parlait de Salat al-Janaza dans la mosquée, certains se sont étonnés. Elle a dit, oh combien les gens oublient. Le prophète, alayhi salam, n'a prié sur Souheil et son frère Sel, Ibn Ubayd, que dans la mosquée. Elle a dit, subhanallah l'adhim, comment les gens oublient. Alors que le prophète, alayhi salam, a prié sur deux frères qui sont morts. Les deux, il a prié sur eux dans la mosquée. Subhanallah l'adhim. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a prié sur Abi Bakr, c'est-à-dire a fait la prière du mort sur Abu Bakr. Retenez cela. Le prophète a prié sur deux frères dans la mosquée, a fait la salat janaza sur deux frères dans la mosquée. Et Omar ibn Khattab a prié sur Abu Bakr quand il est mort. Il a prié sur lui dans la mosquée. Et Sohaib, radiyallahu ta'ala anhu, a prié sur Omar dans la mosquée. Et Aïcha, radiyallahu ta'ala anhu, a prié sur Sa'd ibn Abi Waqas dans la mosquée. Donc retenez ces choses et vous pouvez les trouver, inshallah ta'ala, dans Fath al-Bari. Dans Fath al-Bari, page 199, tome numéro 3. Aussi dans Subul Salam, tome 2, page 208. La position du cercueil face à la Qibla. Face à la Qibla, naam. On le met face à la Qibla avant l'imam. Il y a le cercueil, ensuite l'imam debout devant lui et les gens derrière l'imam. C'est comme ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl. Et pour terminer, je dis par rapport à la femme, comme vous savez, il n'y a pas en islam, il n'y a pas en islam une femme, yani, qui peut rester avec le sang plus de 15 jours. La femme, en général, c'est 6 ou 7 jours. 5, 6, 7. Comme a dit le prophète, il a dit, Tahidhina fi ilmillah. Sittana ou sab'an. Il a dit 6 jours ou 7 jours. Non. Ou bien il a dit 5 ou 6. Maintenant, si jamais la femme reste avec son sang, elle a d'habitude 5 ou 6 jours. Maintenant, c'est 7 jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête, elle ne prie pas. 8 jours. Elle s'arrête. 9 jours. Elle dit, j'ai du sang, j'arrête. Je connais le sang. Il est noir, il a une odeur. Il est gras, il est ceci. 9 jours. 10 jours. 11 jours. On lui dit, reste. Tant qu'il y a du sang, fa huwa adha. 11 jours. 12 jours. 13 jours. Ni elle prie, ni son mari la touche, ni elle jeûne. 14 jours. 15 jours, akhlas, on va attendre le 16e jour, le lendemain. Si le lendemain, le 16e jour, elle a toujours le sang, on lui dit, même si ce sang coule à flot et contient l'odeur et contient la noirceur, contient tout, tu dois prier, bi'idhnillahi ta'ala. Il n'y a pas plus de 15 jours chez une femme dans les règles. Ça n'existe pas en islam. Pourquoi? Car le hadith a dit 5 ou 6 jours. Ou il a dit 6 ou 7. Le doute vient de moi. Maintenant, 5 ou 6 ou 6 ou 7, c'est même pas la moitié du mois. Non. Alors que celle-là veut nous dire que celle-là, c'est pas celle qui pose la question. Je veux dire, cette femme qui a plus de 15 jours veut nous faire croire que donc, yani, le sang peut être plus que les jours de pureté. Les jours de pureté, le hadith a dit 5 ou 6 jours. Et celle-là, elle dit maintenant, elle est au 16e jour. Donc maintenant, d'après elle, c'est le sang qui a pris plus de place que la pureté. Donc ça, c'est pas possible. C'est la pureté qui doit prendre plus de place. 5 ou 6 jours de sang. Tous les autres jours, ce sont des jours de pureté. Et le Mohim. Je dis quoi? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, elle se lave et elle commence à prier. Et même s'il y a du sang qui pèle, métrorragie. Ça commence à s'appeler métrorragie. Et elle met des couches ou n'importe quoi pour que le sang ne tâche pas l'endroit où elle prie. Tfadal.
Donc en fait, Cheikh, les précisions qu'elle a apportées, c'est qu'elle a eu ses menstrues, comme toute femme, et à chaque fin de ses menstrues, elle priait normalement. Et elle ressent des mouvements dans le ventre qu'elle trouve bizarres. Elle ressent ces mouvements depuis un mois. Et cela fait 4 mois qu'elle a accouché, et comme elle a ses menstrues, elle trouve cela anormal que ce soit un bébé du fait qu'elle ait ses menstrues en fait. Et ça commence à bouger depuis un mois. La réponse est très simple, Inch'Allah. Vous m'entendez? Confirmez que vous m'entendez? Réponse est très simple. Qu'est-ce qu'elle fait, Inch'Allah? Elle commence par voir une gynécologue. J'ai bien dit une, j'ai pas dit un gynécologue. Elle commence par qui? Par chercher une femme gynécologue pour qu'elle voie avec elle, Annie, qu'est-ce qui se passe? Si jamais la gynécologue lui dit que c'est pas un bébé, il n'y a rien, tout est normal, donc là, elle passe à qui? Elle passe à la gynécologie, l'âme prophétique. Elle passe à la ruqya. Ça veut dire que peut-être c'est les contractions de sihr, peut-être c'est le djinn, peut-être c'est je ne sais pas quoi, l'âme, mais elle commence à se faire la ruqya, bidna ta'ala, mais avant, après être sûr d'avoir vu la gynécologue qui lui a confirmé que ça n'avait rien à voir avec des contractions dues à l'accouchement ou bien avec quelque chose qui est resté à l'intérieur ou je ne sais pas quoi. Non. Après ça, comme j'ai dit, elle passe à la ruqya. Bi'idhnillah ta'ala, commence à se faire des ruqya elle-même ou bien elle cherche une sœur qui est masha'Allah ou bien à défaut un frère. Et elle est avec son mahram, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on arrête ici. On va se rencontrer, inch'Allah ta'ala, samedi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.